Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrète. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je pète la forme. Alors depuis un certain temps, il y a des petites astuces sur l'épilation sans douleur, sans rasage qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Donc voilà, j'ai dû en regarder plusieurs et je me suis dit, ah, je vais peut-être essayer une d'entre elles pour vous donner aussi mon avis et si possible vous donner aussi quelques conseils pour ne pas prendre des risques inutiles et surtout vous dire si ça fonctionne réellement ou pas. Alors c'est une vidéo qui va intéresser les filles qui ont peur de se faire épiler, les filles qui ne veulent pas absolument se raser parce qu'il faut savoir que quand vous vous rasez, c'est encore pire qu'avant en fait. Donc c'est pas le rasage, c'est vraiment pas une bonne chose pour la peau. De toute façon, le poil il pousse toujours plus vigoureux et ça fait même des poils incarnés et du coup voilà. On a des résultats tout de suite, mais 3 jours après, ça commence vraiment à être une petite galère, une catastrophe. Donc, c'est une recette qui est faite à base de dentifrice. Et j'ai envie de croire que ça peut être une alternative pour vous. Parce que, bon, bah, moi, ce qui me concerne, je ne vous cache pas, je suis une adepte de l'épilation à la cire. C'est la meilleure de toutes les épilations, tout simplement, parce qu'une fois qu'on maîtrise ce que c'est une cire, on choisit une bonne cire. Et on épile dans de meilleures conditions et je vous assure que bah, les épilations deviennent un jeu d'enfant. Vos poils repoussent beaucoup moins vite et surtout ils repoussent très très fin. Et du coup voilà, vous n'êtes plus sujette aux problèmes de poils, enfin de partout en gros quoi. Vous n'êtes plus assaillie par la forêt. Alors si ça t'intéresse, bien entendu je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouveautés et pour vous les habituer et pour vous les abonner. Je vous kiffe grave. Merci du fond du cœur de continuer de jouer le jeu. Ça me touche énormément et moi je continue de travailler à côté. Donc voilà, on va passer directement à la recette et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer l'application et surtout pour donner un avis honnête parce que j'ai gardé des poils exprès pour vous montrer si ça fonctionne ou pas. Petite idée. Et voilà. C'est tout blindé de poils. Bah oui, sinon ça sert à rien. Donc il faut vraiment jouer le jeu. Donc voilà, c'est ma politique, c'est ma démarche. Voilà, il faut absolument qu'elle soit honnête. Allez, je vous dis à tout de suite. On va vérifier tout ça. C'est le moment du verdict pour savoir si ça
fonctionne ou pas ces astuces, autant vous dire tout de suite que je ne suis pas bien. Je suis restée comme ça pendant 15 minutes, c'est très long. Et là, j'ai la sensation de chauffe qui est déjà là, bah, notamment du dentifrice. Hein. Vous savez, quand vous brossez les dents, bah, ça chauffe un peu. Plus du vinaigre, du citron. Je peux te dire qu'en termes de sensation, c'est pas terrible, terrible. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir enlever tout ceci et j'espère franchement que les poils partiront. Alors, je vais zoomer. Pardon. Je vais recadrer un peu la caméra pour que vous voyez. Désolée. Voilà. On est parti. Bon. Ok. Ma pâte, elle est blanche. Je m'attendais à avoir un sopalin tout noir de poils. Là, c'est pas encore le cas. On va prendre un nouveau. Si c'est comme un... Avec les crèmes dépilatoires, des fois, il faut un peu aller décrocher les poils. On va y arriver, on va le faire. Hein. On va voir. Pas l'impression que ça fonctionne. Hein. Ouais. Les poils restaient bien accrochés. Pourtant, j'appuie fort. Je vais essayer de tirer dessus. Ah non, mais les poils sont accrochés à ma peau, quoi. Donc, il faut vraiment que je tire comme une folle dingue. Il y a un poil qui s'est enlevé parce que j'ai vraiment tiré fort. Là, vous voyez, ils sont accrochés les poils. Hein. Non, ça ne va pas le faire. Ça me fait déjà mal même parce que j'ai trop tiré. Je vais essayer l'autre. Bon, pareil, il n'y a rien sur les... Il n'y a rien sur les mouchoirs. Hein. Parce que là, dans la... sur les vidéos, tu vois qu'elle enlève tout. Oh là là, je vous assure. Et des pubs mensongères, c'est abusé. Donc, en gros, ils nous filment une recette avec des ingrédients exactement les mêmes. Et après, ils s'appliquent une crème dépilatoire du commerce, quoi. Pour voir comment ça part. Ça part pas du tout. Voilà, vous voyez les poils, ils sont là, hein. C'est mes poils, ils partent pas. Bah les bras, c'est pas la peine, hein. Je m'en suis tartuffée. Ouais, les bras, j'étais déjà plus ou moins épilée. Bon, bah écoutez, il faut vraiment que je me rince. J'ai essayé et puis je vous reviens tout de suite après m'être rincé ce qu'il y a là. C'est plus possible, c'est plus supportable. À tout de suite. Donc voilà, je me suis déjà rincée enfin. Résultat. Voilà, mes poils sont toujours là. 20 minutes après avoir testé la recette, j'ai bien laissé un quart d'heure. J'ai bien utilisé les ingrédients comme sur la vidéo et j'ai pas tout à fait le même résultat que on enlevait tout. Et pourtant, je vous assure, c'est exactement les mêmes ingrédients. Alors, je suis d'accord qu'il y a plusieurs recettes. En gros, j'en ai testé deux et le résultat est le même. Que ce soit avec du bicarbonate, avec du dentifrice. Le dentifrice, c'est un peu l'ingrédient principal, dentifrice citron en gros. Néanmoins, après tu vas changer, soit tu mets de la farine, soit tu mets de la levure chimique. Il y en a qui mettaient de la levure chimique, soit tu mets du bicarbonate de soude. Voilà, j'ai choisi celle qui me paraissait le plus doux pour ma peau. Voilà, parce que je n'ai pas non plus envie de prendre des risques inutiles. Néanmoins, c'est une perte de temps et d'énergie pour rien. Et on n'a pas que ça à faire en fait. Donc je vous conseille vivement d'aller voir votre esthéticienne préférée, qu'elle vous épile comme il faut, si vous avez l'habitude de l'épilation bien entendu. Mais si vous êtes une douillette, une qui pleure même si on ne l'a pas touchée, allez en grande surface, achetez-vous une crème dépilatoire, ça réglera le problème. Ça dure 5 minutes sous la douche et tous les poils partent. Ça au moins, on l'a tous vérifié, ça fonctionne. Les astuces sur les réseaux sociaux, honnêtement, il faut vraiment s'en méfier. Il faut vraiment, 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 vraiment s'en méfier. Il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de n'importe quoi pour faire des vues. En gros, j'ai perdu 30 minutes, même 45 minutes pour tourner cette vidéo.
pour ça en fait. Pour moi, 15 minutes, enfin 15 minutes, une heure dans la journée, c'est énorme. Donc j'ai absolument pas le temps à perdre pour ce genre de bêtises en fait. Voilà. Je voulais tout simplement vous montrer de façon terre à terre, pour que vous puissiez voir de vous-même que faut pas toujours croire ce qu'on vous montre en tout cas. Donc par ailleurs, si vous voulez quand même tester toujours ces recettes, moi je vous mets juste en garde, ok? Il y en aura peut-être une qui va marcher. Le seul bémol, c'est que à mon avis, le temps de pause doit être relativement très très long en fait. Parce qu'il y a un bout d'un moment, j'ai un peu insisté pour tirer. Il arrivait quand même à partir et ce n'était pas sans douleur. Je l'ai senti partir, mais est-ce qu'on va vraiment nous torturer pour ça? Je pense que c'est non. Et au-delà de ça, des trucs aussi toxiques, enfin aussi abrasifs en fait, tels que du vinaigre, c'est quand même très acide. Du dentifrice, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont là pour nettoyer. Le dentifrice dans la salle de bain, ça dure 5 minutes grand max en fait. Donc imaginez le poser sur la peau pendant 20 minutes, 30 minutes, plus du vinaigre, plus ceci, plus cela. Ce n'est absolument pas idéal pour vous, je vous le déconseille vivement. La recette est pour être bien, si elle fonctionne et surtout c'est une durée raisonnable. Donc moi déjà le temps de pause, au-delà de 15 minutes, c'est non, je vous le déconseille. Après si vous voulez prendre des risques, prenez des risques. Mais on va rester sur l'essentiel à faire. Des choses qui marchent, une épilation déjà. Non, une crème d'épilateur, ça marchera aussi bien. Pardon, excusez-moi, je vais épiler les aisselles. J'espérais que ça se passe aujourd'hui, mais non, ça s'est pas fait. Honnêtement, c'est du gros mensonge pur et dur. Faites attention, prenez grâce au nouveau et restez sur des choses qui ont été vérifiées et approuvées de façon unanime, scientifique, ce que vous voulez. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, prenez des risques, mais minimisez-les en fait. Moi j'ai pris le risque parce que je sais que du vinaigre de cidre, du dentifrice, c'est des choses que j'utilise déjà au quotidien pour la peau. Donc après, voilà, il ne faut pas exagérer. Au moment où je vous parle, j'ai une sensation de chauffe qui continue parce que voilà, je pense que c'est du dentifrice. Ça va se calmer avec le temps. Ça me donne des petits coups de froid alors qu'on est en plein été, il fait chaud. C'est pas vraiment agréable. Je vous assure qu'une bande de cire là, c'est réglé en une minute, il n'y a plus rien. Et là, je crois que je vais me traîner ce truc. Hormis l'odeur, mais ça pue! Ça pue! Ça sent pas bon, franchement, le vinaigre, plus le dentifrice, plus je sais plus ce que j'ai. Oh là là! Je vous assure, c'est horrible. Non, franchement, là, je suis... Non, je te déconseille. C'est de la merde. C'est nul, c'est naze. En fait, je trouve au final, mais moi, je vais partager. Gros bisous et à très bientôt.